Bonjour à tous, c'est Imodi. On va jouer à Death Stranding 4, la suite, que j'ai commencé il y a pas longtemps. Et c'est parti! On a des ennuis. Couvrez-moi pendant que j'ouvre cette porte. Bordel, c'est qui ces enfoirés? Entrée principale, couvrez-moi! Allez, dépêchez-vous. Eh, prends tout ton temps, mec, vas-y. Ça y est? Allez, toi, dépêche-toi, ouvre la porte! Putain, allez! On peut pas les dégommer comme ça. Allez, allez, allez! Va plus vite! Deux minutes, ah bah oui, 2 minutes. Faut attendre 2 minutes là. J'ai pas d'armes. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. On monte là. Ah ça y est, ouais. on y va. Ouais, en fait, c'est bien calculé pour tuer les zombies. Allez, prends ça, prends ça. Oh merde, t'étais un vrai connard, Ted, mais tu méritais pas ça. Je m'appelle Connor, en fait. Bien, enchanté. J'enquête sur cette épidémie. Vous savez comment ça a commencé? Je sais que ces enculés de soldats gardaient un truc super secret près de l'entrée principale de la galerie. Mais il y avait une journaliste. Quelle journaliste? Elle avait un nom de mec. Vic, elle est où maintenant? Elle s'est planquée un temps dans le centre de sécurité. On devrait aller au centre de sécurité. On y trouvera peut-être des armes. C'est un bon plan, mais j'y vais seul. Quoi? Écoutez, cette épidémie est très certainement une sorte de test, et il doit être organisé par ces enfoirés de soldats. Je dois découvrir pourquoi, et j'y arriverai pas si un poulet me tient en l'air. Un poulet. Bon, allez, allez, va plus vite. Elle a envie de m'intéresser aux opérations. Si vous apprenez un truc, tenez-moi au courant. D'accord. Ok. A plus. Bonne chance, West. Ouais, à plus. J'espère qu'on va se revoir. J'ai eu du bon. Maintenant, il me faut un bon scoop bien juteux. Vas-y.
sais. Bon, Connor dit que Vic se planque au centre de sécurité. Je vais découvrir ce qu'elle sait. Après, je la ferai dégager de cette ville à coups de pied dans le cul. C'est clair. En plus, c'est bien là-dedans, t'es pas obligé de tuer les zombies, mais quand t'attaques à plusieurs, faut les dégommer. C'est quoi le problème? Oh là, on voit une arme. Ah non. C'est quoi ça? Ah, j'ai raté couteau, merde. Faut que je change. Bande de malades. Et bon, maintenant il me faut un bon scoop bien juteux. Allez, allez. Bon, Connor dit que Vic se planque au centre de sécurité. Je vais découvrir ce qu'elle sait. Après, je la ferai dégager de cette ville à coups de pied dans le cul. Ouais, c'est clair. C'est quoi le problème? Quoi ce bordel? Bande de malades! Oh! Sérieux, je sais pas conduire avec ça. Ah, il me tire! Ça va laisser une marque. Ah, d'accord, il me tire dessus en fait. Ouais, bah je me casse. Ah, quitte là, putain, descends. Débarre-toi. C'est comment pour guérir Stop it!
Putain! Allez, dépêche, dépêche, dépêche. Ah, mais j'appuie là-dessus et il veut pas le prendre. Putain. Putain, il est où ce truc? Que je trouve des Ah ça y est. Putain, là t'as trop de zombies là. Des zombies, t'as trop de zombies. Putain, comment il a déchuté le mec. C'est quoi ces zombies? Merde. La zombification prenait des jours. C'est quoi ce bordel? Ah, ils ont remonté le... C'est tout. Putain.
Elle n'a pas de flingue là? Putain, mais... Non, c'est pas ça. Ça sent vraiment pas bon là-dedans. J'espère que c'est pas Vic. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous les avez tous tués? Vous êtes là depuis longtemps. Vous n'avez pas vu une journaliste appelée Vic? Oh, si. Non, là, c'était dur. Déjà, le passage là. Vite. Attends. Faites le mot de passe. Les critiques. Ah ouais, d'accord, là, un truc. C'est dur, mais j'ai mes fournisseurs. Putain, c'est où le pari photo ici? Voilà, c'est terminé, la troisième partie, c'est terminé. Bah là, c'est encore plus dur, parce qu'il y a plus de zombies qui m'attaquent. N'oubliez pas, s'abonner, laisser un pouce bleu, un commentaire. À la prochaine vidéo, bye bye.